Salut tout c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui enfin le retour des mods sur ma chaîne, ça fait plaisir. Je sais si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà. C'est le retour des mods, c'est magnifique. Et aujourd'hui les gars, je vais comparer une voiture vraiment pas chère. Donc une voiture du nom de... Comment je pourrais dire ça? On va dire une voiture banale quoi, qui coûte vraiment pas cher. Une voiture un peu... voilà, pas excessive quoi, VS une voiture de malade mental. Donc on va commencer par la moins chère et ensuite on ira vers la plus chère. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez tout simplement cette nouvelle série. Et dites-moi aussi quel véhicule vous voulez que je présente dans le prochain épisode, que ce soit du côté cher ou du côté moins cher. Il y aura aussi des motos, il y aura aussi pas mal de choses. Enfin vous verrez, je vous ai préparé pas mal de choses. Les mods c'est de retour et ça fait plaisir. Je pense que j'essaierai de poster au moins un mod tous les dimanches. Voilà, je vous garantis un mod tous les dimanches. Donc par semaine, c'est pas mal, j'ai envie de dire. Et franchement ça me fait kiffer parce que le retour des mods ça fait plaisir. C'est parti, je prends ma caméra, hop, je la mets ici et let's go les gars. Donc, bonsoir, bienvenue, c'est mon perso. Et attention les gars, la voiture la moins chère, si vous avez reconnu dans les commentaires. Ah ouais, elle est magnifique. Alors on a deux versions hein. On a la version décapotable. Donc là je l'ai mis en mode décapotable. Et on a la non décapotable. Alors je sais pas vous préférez laquelle. Moi personnellement j'ai quand même un... j'aime bien les deux, mais j'ai quand même un petit crush sur la décapotable. Vraiment elle est magnifique. Après bon elle est un petit peu, je sais pas si c'est invisible ou pas. Ouais, les barres elles dépassent un petit peu. Bon ça va, c'est pas on va dire grand chose. Donc vous aurez reconnu la Citroën 2 chevaux qui est juste incroyable. Ça me rappelle les 4L Trophy pour ceux qui connaissent. Et vraiment elle est magnifique. On va la custom. Donc voilà à quoi ressemble la voiture de base. Donc par contre je vais la custom à mes goûts, selon mes goûts, comment je la vois. Donc du coup c'est parti, hop. Alors comment... alors c'est parti. Au niveau de la couleur, bon après le moteur tout ça on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire c'est plus la couleur qui va nous... généralement celles-ci elles sont un peu... les Citroën c'est un peu blanc hein. Je sais pas ce que vous préférez vous. Moi personnellement je vais partir sur un blanc je pense. Ou un petit saumon si c'est pas mal. Après jaune ça fait trop à l'époque je pense qu'ils avaient pas de voiture jaune racing hein. Alors on a crème, Ice Wife et celui-là. Alors moi perso j'aime bien le Ice Wife, ouais. Ça fait vraiment voiture de l'époque, voilà. Là on est bien. Après est-ce qu'on met le moteur à fond? Allez on met le moteur à fond. Voilà. Transmission, course. La voiture elle est là de chaud, je suis en train de la custom, laisse tomber. On va tester bien évidemment la tenue de route pour voir comment elle est. Mais déjà au niveau de la vitesse c'est pas la joie. Au niveau du bruit c'est vite fait. Ah ouais. C'est magnifique. Eh, j'ai vraiment une 2 chevaux les gars, j'ai une 2 chevaux, c'est incroyable. On est sur GTA 5 et j'ai 2 chevaux dans les mains. Je vais mettre en première personne pour voir ce que ça donne. Ah ouais, pas mal le compteur. Ah ouais, franchement, magnifique le compteur, les gars. Ouais, ok, elle montera pas plus. On a le rétro aussi, je sais pas si vous voyez à droite. En haut à droite, t'as le rétro qui est vraiment pas mal aussi. Ok, donc au niveau de la vitesse, on n'ira pas plus loin que ça. Par contre, on sort une arme. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur comment il est. Hop, je vais sortir. Je vais vous montrer quand même comment c'est. Attendez, juste de bloquer la porte. Voilà. Ok, je mets en première personne. Donc voilà à quoi ressemble la voiture. Donc on les rappelle que c'est une 2 chevaux Citroën. Magnifique. Avec la vitre de GTA 5 derrière, c'est trop beau. C'est quoi de ça les gars? Bon là je l'ai un petit peu dégomme. Alors maintenant l'intérieur. Ok. Bon l'intérieur ça va, ça passe. Les pédales, regardez les pédales s'il vous plaît. C'est magnifique. Les pédales et tout. Non franchement très beau choix. Je pense que je suis parti sur un beige, c'est vraiment pas mal. On va monter dedans. Voilà. Ok. Bon,
J'imagine que la 2 chevaux, quand même, faut la tester, faut la pousser un petit peu à bout. Donc, soit faire, les gars, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de descendre le Munchigade avec. Ça me tente. C'est parti. Ok. Regardez où je suis, les gars. What is this shit? Regardez où je suis, s'il vous plaît. Oh, je peux pas m'enlever là. Je vais tomber là si je saute ici. Là, y'a moyen, y'a moyen. Oh, c'est bon. J'ai réussi à me sauver, les gars. Bon, elle a pas de vitesse du tout. Alors, comment je peux le faire? Je pense que je vais essayer d'aller par là. Allez. Non, je vais tomber. Non. Les gars. Oh non. Bon bah les gars, le Munchigade m'aura eu, j'ai envie de dire. Mais comment tu peux descendre le Munchigade? C'est impossible du côté là. Ça c'est vraiment le chemin de la mort, les gars. Là on utilise vraiment le chemin de la mort avec la 2 chevaux. C'est trop, c'est vraiment trop, je peux pas. Ok, ça va, bon, je suis en train d'attraper le coup. Je suis en train d'attraper le coup, les gars, ça passe, c'est en train de passer. Oh, je suis en train de descendre. Oh shit, est-ce que je peux la réparer? Oh oui, je peux la réparer. Oh, mais j'ai en feu. La voiture est en feu, les gars. What is this shit? La voiture est en feu, je suis en train de descendre le Munchigade. Oh my god. Attends, mais j'arrive pas à la contrôler. Ok, les gars, on va actuellement descendre le Munchigade. Alors, le côté là, les gars, je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose. Mais c'est parti, on est avec la 2 chevaux. Let's go, la Citroën, au niveau du mythe, 4L Trophy, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde, c'est Unmin. C'est les babans qui regardent cette vidéo, attention. Oh. Impossible de la contrôler, vraiment. C'est... Ok, j'ai perdu 2 portes, c'est pas grave. Allez les gars, je peux le faire. Et malheureusement... Et bah malheureusement, ce sera un autre chemin. Mais elle est incontrôlable, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est-à-dire, j'ai aucun contrôle sur le véhicule. Ok. Laissez-moi vivre, bordel. Laissez-moi contrôler ma voiture. C'est bon. Ok, on recommence à contrôler. Allez les gars, faut qu'on arrive en bas. Ok, là on est bon. Mais là, regarde, la voiture elle part en freestyle. Bon, je vais essayer de... Même, je peux même pas contrôler ma voiture dans les airs. Elle tourne toute seule. Vraiment. C'est chaud, ok. Allez les gars, faut qu'on arrive au moins en bas du Munchigade. Avec cette 2 chevaux qui est catastrophique. J'ai hâte de passer à l'autre voiture, parce que je peux vous dire que l'autre voiture, les gars... C'est un autre monde, hein, je vous le dis, les gars, vraiment, vraiment. Oh, bonsoir, il y avait un animal. Un animal. Je sais pas si on dit animal ou animal, hein, je rigole. Alors, vraiment, si j'ai un truc à dire, la 2 chevaux, elle drift trop. C'est vraiment abusé. Et voilà, on est en bas. Bonsoir. On arrive en bas. Bon, état du véhicule. Ça va, c'est pas mal. Bon les gars, dernier petit kiff. Ensuite on passera à la voiture la plus chère, les gars. La plus chère de cet épisode. Après peut-être qu'il y aura d'autres épisodes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez cette série, parce que franchement c'est magnifique, ça nous fait découvrir d'autres voitures qu'on n'a pas forcément sur GTA 5. Et moi je kiffe, c'est parti. On saute du... De la maison. Oh shit. Je vais atterrir sur l'auto. On va voir ce que ça fait. Oh shit, j'ai atterri sur le côté, c'était... Même le gars il a crié, les gars. Le PD. Mais déjà, qu'est-ce qu'il fait là, déjà le PD? Ah, ok, il est sur le trottoir. Bonsoir. Ah, ouais, il a peur de la 2 chevaux. D'accord, bon, les PNJ ont peur des 2 chevaux, je savais pas. Pourquoi pas? Voilà, tu. Et vraiment, la vitesse de pointe, les gars, c'est pas ça. Ok, du coup, on se retrouve tout de suite pour la voiture la plus chère. Tchou. Bon du coup les gars, on se retrouve pour la voiture la plus chère. Les gars, la voiture elle est juste incroyable. Et là il y a mes jardiniers qui travaillent tranquillement. Donc voilà, on a mon petit jardinier ici qui s'occupe tranquillement de la poudre. Parce que bon, je suis blindé, j'ai une voiture de blindé, logique quoi, j'ai envie de dire. On va voir ce qui se passe derrière dans ma petite maison. Et normalement j'ai reçu ma toute
nouvelle voiture, la Bugatti Chiron. Mais attention, c'est pas n'importe quelle Bugatti Chiron, les gars, parce que là vous dites ok, c'est une Bugatti Chiron normal. Non, non, les gars, c'est la Bugatti Chiron Mansory Centuria. La Bugatti Chiron Mansory Centuria, le prix il est à plus de 4 millions si vous l'achetez dans la vraie vie. Donc s'il y a des riches qui regardent cette vidéo, bah, le prix c'est simplement 4 millions. Alors là, je l'ai custom en full black, mais je vais changer la couleur. Je suis jardinier, bonjour, bonsoir, bonsoir. Il s'appelle Mokhtar. Voilà. Il y a la petite piscine qui est bâchée aussi, parce que bon, on n'est pas encore en été, mais bon, ça bronze quand même. Hein, ça bronze quand même. Il y a mes deux copines qui sont en train de bronzer. Mais on va dire que là, la piscine est bâchée parce que c'est pas encore l'été. Il fait pas assez beau. Il y a du soleil, mais il fait pas assez beau. Donc voilà à quoi elle ressemble ma voiture. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Elle est vraiment trop, trop, trop belle. Hop, voilà. Je vais bloquer juste la fermeture, voilà. Hop. Allez, 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 allez. Il veut passer. C'est bon, voilà, il a bloqué la porte. Ok, je vais en prendre la personne. Voilà à quoi ressemble la Bugatti Chiron Mansory. C'est trop, regardez. C'est le petit logo, ça. Pour ceux qui ont reconnu, pour ceux qui connaissent, il y a des connaisseurs de voitures. Le derrière, il est juste incroyable. Je suis vraiment très choqué par cette voiture. Honnêtement, dès que je l'ai vu, je me dis, faut que je présente celle-là. Après, dans les commentaires, je rappelle une fois, si vous voulez que je présente des voitures de blindés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc l'intérieur, voilà à quoi elle ressemble. On va monter dedans. On prend personne. Voilà. C'est juste incroyable. Vraiment, vraiment, c'est trop. Bon, regardez le moteur derrière, Mansory, hein, c'est écrit. Les petites ailes et tout, putain, mais t'as ça dans la vraie vie, t'es vraiment très très bien. Mais je pense que l'assurance, ils voudront même pas t'assurer. Ça, ils assurent même pas l'assurance. Hein. Ça, faut vraiment être riche, riche, pour que t'assures. On va custom la voiture, les gars. Alors, c'est parti. Hop, on va changer la couleur. Alors, par contre, honnêtement, je sais pas du tout comment la custom. Je l'aime bien en black comme ça. Attendez, je vais regarder comment il la custom dans la vraie vie. Un petit peu bleuté comme ça. Attendez, je vais regarder ce qu'on a. Alors, hop, on va juste mettre le moteur à fond. Voilà, moteur niveau 4. Hein, transmission. Voilà, ça on s'en fout. Suspension. Voilà. Et du coup, la peinture. Alors, couleur principale, on va partir sur du métallisé, je pense. Ouais. Ah ouais, en blanc. En rouge. Oh là là, c'est trop, c'est trop cette voiture. Je sais pas sur quoi je vais partir. Vraiment, il y a trop de choix. Un bleu, un peu comme ça. Midnight, il est pas mal. Ensuite, couleur secondaire, ça change pas, ça change rien. Donc on va partir aussi sur du midnight. Hop, 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 hop. Voilà. Ok, ensuite au niveau des roues, je pense qu'on peut rien faire. Hein. Ouais, on peut rien faire. Ok, donc voilà comment je les custom moi, voilà comment je la vois. Et vraiment, elle est trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Mais honnêtement, c'est vraiment une voiture de ouf. Moi perso, je la kiffe. Après, je sais pas vous, mais moi, tu me ramènes ça dans la vraie vie, je suis très très bien. Elle est magnifique. Ok, on va tester la vitesse de pointe et voir ce que ça donne. Oh, on a un cul-de-sac ici. Voilà. Et j'ai un cul-de-sac qui est à peu près pour me taper un truc. Ok, il n'y a personne au stop, c'est bon. Il n'y a personne au stop là aussi. Ok, vitesse de pointe, c'est parti. C'est pas mal, hein. Franchement, elle a une bonne vitesse de pointe. Elle accélère plutôt bien. C'est le bruit que je kiffe, moi. Il faut écouter. Je vais me mettre en première personne quand même pour voir ce que ça donne. Ah, le compteur marche pas par contre. Par contre, le compteur sur la 2 chevaux marche. Mais sur la Bugatti, il marche pas. Ah ouais, c'est trop. Waouh! Waouh! Waouh, les gars, il faut pas me donner des voitures comme ça, les gars. Moi, je vais les dégommer. Bon, les gars, c'est parti. On est actuellement sur le mont Chiliad. Est-ce que je vais réussir à descendre ce mont Chiliad avec cette Bugatti Chiron? Attention. J'ai aidé. Oh non, elle accélère trop, les gars. Ça va être chaud. Je vous le dis, ça va être chaud.
Du calme, du calme, du calme. Elle part vraiment trop freestyle, hein. Ok. Ça part, ça part, ça part plutôt bien. Ça part plutôt bien, les gars. Allez, allez, allez. Est-ce que je vais réussir? J'accélère doucement, j'accélère doucement. Je vais pas à fond, j'ai pas envie d'accélérer. En fait, j'ai envie d'accélérer à la fin. Non, 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 c'est bon. Ok, vous voyez, il y a un petit saut après. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper? Ouh, il y a moyen de rattraper, les gars. Je suis en train de rattraper, c'est bon. Je rattrape. Ouah, mais je vais trop. En fait, quand tu vas trop à fond, la voiture, elle part toute seule. Allez, c'est parti. Oh, le boost. C'est moi, les déchets, tu vas aller chez Kaou. Bon, ok, j'ai utilisé un boost. Maintenant, est-ce que c'est possible de monter mon Chilliad? Est-ce qu'il y a moyen de monter mon Chilliad avec la navigation? Je sais pas du tout. Je vais tester. Ok. On est pas mal, on est pas mal. Il y a moyen de monter mon Chilliad. J'essaie de monter. Oh my god. Ok. Y'a moyen, y'a moyen, y'a moyen. Allez. Allez. Allez, je suis dessus. Non, je passerai au-dessus, les gars, malheureusement. Wow. Je suis vraiment en train de faire n'importe quoi là. La voiture. Wow, les gars, ça donne mal la tête. Attendez. Je vais essayer d'atterrir. Je peux pas contrôler ma voiture là. Avec le frein à main, normalement, ça se contrôle. Ouais, du coup, on aura fait le Mont Chilliad dans le sens inverse, les gars. C'est pas mal. Ok, les gars, c'est parti. Saut du Mont Chilliad. Ensuite, on se quittera là-dessus. Alors, je regarde du côté là, parce que simplement mon écran du côté là. Let's go. To the party. Est-ce que je vais réussir? Oh, shoot. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort, c'est mort. Non, je veux te toucher. Viens ici. Yeah, je l'aurai pas. Je l'aurai pas, les gars. Mais est-ce qu'on va faire un truc magnifique? Est-ce qu'on va atterrir? Non, mais dis pas que je vais atterrir sur le toit, les gars. Non. Non, 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 non. Je peux pas. Holy shit, ce qu'on vient de faire, les gars. Magnifique. C'est incroyable. Si vous avez kiffé, c'est tout simplement incroyable. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les gars. On va se quitter là-dessus. Franchement, ça a été un plaisir de vous montrer des voitures qu'on voit pas forcément sur GTA, mais dans la vraie vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je présente dans le prochain épisode. Est-ce que ce soit des motos, des bateaux, des avions, ce que vous voulez. Il y a de tout. De toute façon, il y a de tout. Ou vous voulez que je fasse un autre épisode avec des voitures. C'est comme vous voulez. On se laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. À me suivre sur mon petit Instagram. Et puis voilà, moi j'ai envie de dire, les gars, c'est beau. Les mods, c'est le retour. Ce sera tous les dimanches.